La Namibie souhaite plus que jamais s'inscrire dans l'agenda de développement durable adopté par l'ONU en 2015. C'est ce qu'a affirmé le président Hage Geingob lors d'un discours ce mercredi 21 septembre 2016 à la 71e Assemblée Générale de l'ONU. L'année dernière, nous nous sommes engagés à l'égard d'un nouveau programme de développement durable. Nous sommes tous d'accord que la mise en œuvre efficace de ce programme exigera la cohésion et la complémentarité des différents niveaux. Nous affirmons que nous appuierons les efforts faits internationalement pour assurer une vie de dignité à tous. La Namibie est un pays à revenu intermédiaire avec un PIB de 5 600 $ par habitant. Le pays dispose de plusieurs avantages. Une population éduquée avec environ 80% de sa population qui est alphabétisée et un sous-sol riche en divers minéraux, notamment en uranium, cuivre, argent, diamant. Des atouts que le président envisage de prendre en compte pour améliorer la croissance économique. Du point de vue de la croissance économique, nous devons veiller à une croissance inclusive permettant de créer des emplois pour tous nos citoyens. Nous devons donc nous employer à accroître notre économie de façon durable pour veiller à combattre réellement le fléau de la pauvreté. Ce pays garde une économie stable qui repose principalement sur ses ressources minières. Toutefois, le président compte sur la diversification de l'économie pour développer la croissance. Le tourisme écologique et le développement durable sont ainsi des pistes privilégiées pour atteindre cet objectif.